le hall d'entrée qui donne accès à l'étage. Ici, la première chambre. Muni d'un bureau, d'un double lit, d'une garde-robe et d'une salle de bain privative. Toutes nos salles de bain ont des douches italiennes, un évier, une armoire à miroir et un WC suspendu. Maintenant, nous allons passer dans la seconde chambre, au même niveau. Elle aussi a un lit double. Une garde-robe. Un bureau. Et une salle de bain équipée de la même manière que la précédente. Maintenant, je vais vous montrer la cuisine. Voici la cuisine. Cuisine entièrement équipée. Elle possède un micro-ondes, un four, des armoires de rangement, ainsi qu'un lave-vaisselle. Vous avez ici une armoire comprenant trois frigos et un congélateur. Frigo. Frigo. Et ici, congélateur. Maintenant, je vais me rendre à l'étage. À l'étage, vous avez le salon sous Velux, avec évidemment la télévision. Ici, vous avez l'accès aux deux chambres restantes. La première, de nouveau une chambre avec un double lit, une garde-robe et un bureau, un espace de rangement. Et ici, l'accès à la salle de bain. Toujours comme les autres, ici suspendu. Les douches italiennes. Et maintenant, pour la dernière chambre, nous avons dans celle-ci une petite kitchenette, une armoire, le lit double et le bureau. Évidemment, la petite salle de bain privative. Celle-ci est fort lumineuse, étant donné qu'il y a encore un Velux.
ici, dans la descente, nous avons tous les décompteurs individuels pour chaque chambre. Et ici, dans le hall principal, tous les compteurs, décompteurs par chambre.